Salut à tous. Alors, j'ai découvert l'existence d'un jeu Tintin qui, je sais pas pourquoi, on a eu aucune annonce, rien. Mais moi, j'avais vu un truc sur Internet en 2018. Il parlait d'un jeu Tintin un peu Candy Crush comme ça qui allait sortir. Et après, on n'a plus de nouvelles. Donc je me suis dit, c'est bizarre. Comment ça se fait qu'on n'a rien? Et je suis tombé sur un truc aujourd'hui en cherchant. Je me suis dit, bon, je vais chercher un fond d'écran Tintin, et là je tombe là-dessus. Alors je vous montrerai quand je ferai le montage. Et j'ai découvert une autre appli pour le musée Tintin. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, on est dans l'appli du musée Tintin. Alors, découvrez le fabuleux parcours de l'un des plus grands artistes. Oups, désolé. Des plus grands artistes du XXe siècle. Donc, on a un audio guide. Et voilà. On peut faire télécharger l'audio guide. On peut l'activer, on va voir. On va voir si ça marche vraiment. Ah, sympa la petite animation là. Plutôt sympa. Donc j'ai découvert ces deux trucs là. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Je vais vous montrer ça. Voilà. Des petites news. Ça a l'air de prendre du temps. Bon, je sais pas. Je verrai. Donc bon, voilà. Avec donc un audio guide qui peut être intéressant, mais bon, c'est mieux d'être dans le musée. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Et je vais vous mettre tout de suite une image du gameplay du jeu Tintin. Du jeu Tintin téléphone, hein, pas le jeu Tintin microïde. Voilà. C'était une petite vidéo comme ça, à l'improviste. Je suis en train de faire une vidéo sur mon nouveau téléphone aussi, celui avec lequel je suis en train de filmer. Donc là, c'est mon ancien, je vous montrerai tout ça. Je la sors bientôt la vidéo. Salut à tous!